Bonjour mes chats, j'espère que vous allez bien. Donc je vous filme ceci avec mon téléphone, donc j'espère que ça ne sera pas trop mauvais. J'ai reçu en fait mon colis Make-up Révolution. Ah bah bonjour. Oui, mon colis Make-up Révolution et je voulais absolument vous le montrer parce qu'en fait j'ai adoré comment il est présenté et surtout je voulais absolument vous montrer la qualité des envois que je trouve très important parce que souvent j'ai déjà commandé du maquillage sur internet et il arrivait à moitié cassé. Parce qu'il n'était absolument pas correctement tenu. Donc, premièrement, on associe où il nous parle un peu de certains produits qu'ils ont. Et voici comment c'est emballé. Ça ne peut juste pas bouger. Clairement, ça ne peut pas bouger. Tout est super bien mis. Donc là, bah, j'ai commandé un fond de teint, une poudre parce que la mienne est complètement dépassée. Une palette pour le blush. Et je vais tenter, pour la première fois de ma vie, de faire mes sourcils. Donc, je me suis pris une petite pommade. Normalement, elle est de la bonne couleur. Donc, je vais d'abord tester tout ça une première fois, voir si les couleurs vont. Et si ça va, eh bien vous aurez là tout de suite, dans quelques secondes, une petite première impression de tous ces produits. Donc, je vous dis à bientôt ou à tout de suite. Bonjour mes chats et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une première vidéo facecam. Au départ, je vous avoue, c'était absolument pas prévu. Tout simplement parce que vous avez préparé un article à ce sujet, sauf que. Visiblement, moi et les photos sur le maquillage, ça ne fonctionne pas très bien. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je voulais absolument vous parler d'un fond de teint de chez Make Up Revolution. Juste avant, je vous aurais montré une petite vidéo, je pense, du colis que j'ai reçu de chez Make Up Revolution. Donc, il y avait mon fond de teint, une palette blush, une poudre et un truc pour les sourcils que je ne vais pas utiliser en vidéo parce qu'il faut que j'apprenne à l'utiliser, je ne sais pas l'utiliser. Enfin, bon. Avant même de commencer, je vais vous parler tout de suite de cette poudre qui est comme ceci. Oh, il y a un reflet. C'est cette poudre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je ne vous la conseille absolument pas. Elle a flashback à mort. Elle matifie pas très bien. Et avec deux de mes fonds de teint, donc avec celui-ci comme avec l'autre, elle donne un teint un peu granulé comme ça, que moi j'apprécie absolument pas. Maintenant, je pense que ça dépend aussi du type de peau. Personnellement, j'ai une peau mixte. Et voilà, clairement, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un test ensemble. En fait, cette vidéo se fera sur 2 jours. Le premier jour, on va l'appliquer normalement au Beauty Blender, enfin à l'éponge. Simple. Et on va juste poudrer un côté et pas l'autre. Pour voir comment il réagit poudré, comment il réagit pas poudré. Et dans une deuxième partie, on va le tester d'un côté éponge, d'un côté pinceau. Parce que je pense que c'est hyper important aussi de ne pas oublier que selon la façon dont on l'applique, tout peut changer. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc personnellement, moi j'ai la F7.5. Donc c'est celle claire à médium avec sous-ton jaune. Bon là on dirait pas, mais j'ai des sous-tons jaunes. Hein, Donc, il se présente comme ceci. Donc, ce n'est pas un pompe ou quoi que ce soit. J'allais commencer avec mon fond de teint en faisant une bêtise, hein, carrément, parce que j'allais oublier de vous parler de cette base. Donc, en fait, j'ai fait une commande donc, chez Make Up Revolution, donc, que je vous ai montré. Et par chance, l'un des magasins près de chez moi en vend, mais pas énorme. Clairement, il n'y a pas tout ce qu'il y a sur le site ou quoi que ce soit. Bah, en même temps, ce serait presque impossible. Mais voilà. Donc, moi, j'ai pris une base. Et donc c'est la base de teint lissante parce que moi j'ai tendance à avoir les pores très très dilatés, encore plus depuis que j'ai arrêté ma pilule. Donc si vous avez vu mon article sur la pilule, c'est encore pire depuis. Donc j'avais vraiment envie de prendre une base, je n'ai plus utilisé de base depuis celle de chez NYX qui m'allait absolument pas. Elle rendait ma peau mais horrible. Ah ouais, c'est quand même assez épais, c'est très très épais même. Donc celle-ci, elle est à 5,99€ pour les Français. Ouah, wow, mais par contre, ils font... Wow, on va se calmer. Il en faut au moins 3 tonnes. Hein. Je vous le dis honnêtement. Elle est tellement épaisse, ouais, il en faut au moins 3 tonnes.
Donc j'ai hydraté ma peau avant, j'ai fait l'hydratation au contour des yeux aussi. Ok. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux, seulement maintenant que j'y pense. Trop tard. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer le fond de teint. Donc au fait, si vous voulez savoir, c'est le Conceal Hand Definer. Je ne sais pas parler anglais. En fait, c'est le même que l'anti-cerne. Tout le monde en parle en ce moment, moi ça fait presque un an que j'utilise. Je vois pas pourquoi les gens débarquent seulement, mais c'est pas grave. Faut pas chercher. Maintenant, on peut l'utiliser. Déjà, waouh, je trouve que le fond de teint glisse vachement mieux sur la peau. Et donc, on va l'appliquer à l'éponge, tout simplement. Je sais qu'il y a des personnes, donc, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a des personnes qui utilisent ce côté-là pour appliquer tout, et d'autres juste ce côté-là. Bon, moi je suis ce côté-là, en tout cas, voilà. Ah, mes cheveux. Ah, on attend la machine à laver. Je suis désolée. Tellement blanche, mais je sais absolument pas, c'est pile ma teinte. Par rapport à mon cou, c'est pile ma teinte. Il faut savoir que je suis le genre de personne qui a besoin de 4000 teintes tout au long de l'année. Par exemple, pour le concealer, j'ai la teinte C8. Je peux vous la montrer, mais attendez. Là, j'ai la C8. Là, j'ai la C2 pour l'hiver et j'ai la C4 pour automne et printemps. Voilà, mais là j'ai encore ma teinte d'hiver, donc j'ai été obligée d'aller racheter du C2. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a le teint qui est fait, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, il est super beau. Alors c'est pas, je pense que vous pouvez clairement le moduler dans le sens où si vous rajoutez plusieurs couches, vous aurez de plus en plus de couvrance. Moi c'est pas du tout quelque chose qui me plaît d'énormes couvrances, donc moi je mets qu'une couche et ça me suffit amplement. Mais par contre il est hyper joli quoi. Mais genre, je sais pas trop si vous pouvez voir ou pas, je sais absolument pas. Cette vidéo est un test total, je ne sais pas. Je suis dans ma cuisine, oui mon mur est vert, mais je loue. Mais j'adore le vert pomme, donc. Bref, nous partons pas dans le débat. Donc maintenant, je vais mettre mon concealer comme je le ferai d'habitude. Vraiment que je commence sur le site. En fait, ce qui est dommage dans à l'endroit où je vais, c'est qu'ils ont que par exemple teinte C1, C2, C3, C4, C5, voilà. Et nanana. Sauf que en fait, sur le site, il y a les teintes par exemple 0.5. Par exemple, 0.5, c'est pour les tons jaunes, etc. 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 Et là, on n'a pas. C'est un peu embêtant même. Ouah, attendez, j'ai un chat qui essaie de venir. Alors personnellement, j'en mets toujours aussi sur le front, sur le menton, les deux côtés là parce que je suis très très marquée et j'en mets toujours sur les ailes du nez. Vous voyez une queue? Ok, qu'est-ce que tu fais? Et on vient estomper au bout de l'ongle. Vous savez quand les youtubeuses dans leur vidéo disent toujours ouais désolé ils sont allés à ma machine à laver alors que les entend pas. Moi vous l'entendez je pense. Donc. Ah, par contre va falloir que je reste luminosité, vous me voyez blanche comme une morte. Désolée d'avance. Bon bah pour l'anti-cerne, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il est toujours c'est bien pour ma part. Mais aussi il faudra peut-être préciser, je suis une noob en make-up, réellement, je suis très nulle en make-up. J'y connais pas grand chose, ça fait seulement qu'un an que je peux m'acheter du make-up parce qu'avant il n'y avait pas d'argent. Donc on payait pas de make-up. Donc voilà, limite je suis très très novice et je pense que c'est hyper important aussi d'avoir des avis de personnes qui sont novices, qui n'ont pas beaucoup les moyens, qui débutent en fait dans le make-up plutôt que de voir que des personnes qui ont déjà l'habitude. Je pense que deux points de vue c'est vraiment important, enfin du moins pour moi ça l'est. Donc voilà. Maintenant je vais vous parler d'une poudre. Oh je suis trop contente, il fallait me la faire. Vu que celle-ci est translucide, voilà.
elle ne fonctionne pas sur moi et j'avais beaucoup beaucoup entendu parler de celle-ci. Donc c'est la Luxury Power Poudre de Luxe Banana. Donc j'ai pris la banana au lieu de la translucide pour une première. Réellement c'est la toute première fois je pense que j'utilise teintée. Et on m'a dit qu'elle était quand même assez bien. Donc là vraiment c'est un test total. Donc on va, comme je vous l'avais dit, tester d'un côté. Et on verra bien par la suite. Alors déjà, pas que je fasse de bêtises hein, parce que la boulette on la connaît. Je vais me casser un ongle. Vous allez voir. Me revoici, on a réussi à l'ouvrir. Donc par contre, je me rends compte rapidement que ceci est beaucoup trop petit si je vais mettre mon pinceau. Bon, on va tester, on va voir. On va... Oulélé, on met pas trop. Et donc pour ça, je vais me prendre. Je les ai lavé hier, donc c'est un peu du mal. Donc, je vais prendre un pinceau, il n'y a pas de nom. Moi, c'est des pinceaux qui viennent de chez Lidl. Ils font très bien le taf. Réellement, mettre genre 10-15 euros pour un pinceau. Oh mon dieu. Ah oh les gars, j'ai tellement peur que ça fasse des marques. Si ça fait des marques, je vais vraiment pas être contente. Ah, attendez. Voilà, un peu de job. J'ai mon miroir qui va marcher. Tout va bien. Il est nouveau, mais il va marcher. Putain. Youhou! En fait, je vais pas commencer par le contour des yeux. Réellement, je vais commencer par là. Vous voyez? Donc, on n'oublie pas, ce côté-ci sera celui qui ne sera pas poudré. Il ne faut pas que je dépasse cette limite. Attendez, je vais prendre un pinceau encore plus fluffy. Parce que là, what? C'est notre possible, hein? J'ai l'impression... Attendez. Donc, ce que je peux vous dire là tout de suite, waouh, vous me voyez encore plus blanche, c'est que du côté où je viens poudrer, alors est-ce qu'elle poudre ou pas, on va bien le savoir, c'est légèrement devenu granuleux. Je sais pas trop comment expliquer ça. On voit la matière sur le visage, alors que de l'autre côté, très lisse. On voit absolument pas la matière sur le visage. Donc voilà, clairement là pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Donc aujourd'hui, il faut savoir que j'ai quand même une grosse journée qui m'attend. Je dois vous filmer encore une vidéo, puis après deux recettes. Et après-midi, je vais aller courir. Donc clairement, on va voir s'il tient, s'il résiste à la course à pied. C'est incroyable. Bon, en attendant, on verra. Donc sur ce, je vous laisse. Moi, je retrouve, je pense, un peu plus tard dans la journée, déjà vers avant d'aller courir. Et on se rejoint en soir, une fois que j'aurai été courir, et j'aurai filmé toutes mes vidéos, et je serai complètement crevée. Surtout que je n'ai pas dormi cette nuit, donc c'est pour ça que j'ai une tête de mort vivante, hein. Mais j'ai pas du tout dormi cette nuit, donc je suis complètement crevée et voilà, c'est génial, hein. Je dois tout le temps regarder autour caméra, je suis désolée. Bon, il est juste à côté, donc je sais pas si vous avez fait, je regarde pas dans l'objectif. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure, et pour vous, tout de suite. Hello les chats, on se retrouve, il est à peu près midi, donc ça fait plus ou moins 4h maintenant que je porte le fond de teint. Donc le côté poudré et le côté non poudré. Alors j'ai fait ce make-up hors caméra, donc voilà. Mais ce que je peux remarquer là tout de suite, c'est que ici, tout ici c'est en train de vraiment de s'assécher et de peler. Alors que j'ai une peau mixte à grasse et je sais qu'à d'autres endroits elle est grasse, donc je suis un peu en mode why not. Ici c'est pareil. Là aussi. Sur le front, pour une fois ça va, c'est étonnant. Donc ça, c'est le côté qui est non poudré. Et du côté poudré, ça marque vraiment mes zones de sécheresse par contre. Je pense que là, vous pouvez le voir, ça marque vraiment, vraiment, vraiment.
Là, ça marque les ridules et là, ça marque aussi. Donc, qu'il soit poudré ou non, je vois pas vraiment de différence. Bon, maintenant, il faut vraiment que je regarde de tout près pour voir les défauts, sauf de ce côté-là, là, vraiment, où c'est vraiment parti, mais je me suis mouchée, donc là, c'est peut-être ça aussi. Et que je n'arrête pas de courir, d'avoir ma tête au-dessus de la vapeur, de la chaleur, etc. Donc, bon, pour l'instant, moi, j'en suis assez contente parce que je bouge depuis ce matin. Clairement, j'ai une peau vraiment en ce moment qui dit merde, hein, clairement. Ce matin, elle était grasse, je me maquille, je s'appelle parce que c'est trop sec. C'est tout le temps comme ça. Ma foi, ça ne bouge pas et il ne devient pas orange. Vous me voyez toujours trop blanche. Alors qu'en réalité, je suis un peu plus jaune. Donc, voilà. Mais sinon, pour l'instant, j'en suis très contente. Et on verra bien. Là, je vais faire manger, etc. Là, j'ai terminé de tourner une recette déjà. Et puis, j'irai courir et on se reverra ce soir pour voir s'il a tenu toute la journée. Et surtout après avoir été courir. Et là, c'est autre chose. A tout de suite. Hello mes chats. Voilà, c'est la fin de journée. Il est 20h30 là plus ou moins. Donc ça fait plus de 12h maintenant que j'ai make-up sur mon visage. Donc il y avait pas mal de changements dans la journée. Donc finalement je n'ai pas été courir. J'ai pas filmé ma deuxième recette. Donc j'ai été beaucoup moins active entre guillemets. Mais c'est parce que j'ai dû aller au médecin. Donc voilà. Donc là où ce qu'on en est, donc ça fait 12 heures que je le porte, donc toujours si blanche. Hein. Ici je vous l'avais montré, ça s'est déplacé mais ça s'est pas aggravé. Là ici ça s'est asséché des deux côtés, que ce soit avec la poudre comme sur la poudre. Et ici ça s'est effacé entre guillemets, dans le sens où je touche tout le temps. J'ai des boutons en fait et j'arrête pas de me toucher, de me gratter. C'est pas bien, je sais, mais je le fais quand même. Donc là, c'est parti. Par contre, j'aimerais noter que sur le front, normalement, c'est toujours là que ça part en premier chez moi. C'est absolument pas parti. Là non plus. L'anti-cerne est toujours en place. Là, moins, mais c'est normal. Hein, je l'avais pas poudré. Par contre, du côté où je n'ai pas poudré, on voit clairement des taches de sécheresse. Ouais, je pense que là, vous pouvez carrément le voir. Là, là. Alors que normalement, j'ai une peau mixte, quoi. Donc, elle n'est pas super sèche comme d'autres pourraient l'avoir. Donc, voilà, là, on a fait le test. Donc, poudré, pas poudré. Poudré, c'est vraiment pas mal. Pas poudré. Réellement, si j'arrêterais de toucher mon visage toutes les 3 secondes, parce que je suis quelqu'un, je touche tout le temps mon visage, je pense que ça pourrait vraiment tenir. Mais là, je touche constamment mon visage, donc je pense que ça ne peut pas aller. Donc on se retrouve demain, sauf que demain, je sais pas, normalement ça sera directement sur ma main, comme ça je suis directement dans mon look, je sais ce qui, voilà, je sais déjà ce que ça a donné hier, enfin aujourd'hui, sauf que je devrais filmer à 6h au matin, il fera aussi noir que ça, donc je suis pas sûre que c'est une très bonne idée, ma foi, pour vous c'est à tout de suite, pour la suite. Et très bonjour mes chats, on se retrouve pour la suite de la vidéo pour le make-up. Cette fois-ci, j'ai attaché mes cheveux. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. Je pense que maintenant on connaît déjà un petit peu. Donc, on va appliquer la base, la même que pour la dernière fois. J'ai essayé de mettre mon miroir un peu plus haut pour que j'ai moins besoin de me pencher. Faut quand même que je me tourne un peu, attendez. Ah, c'est mieux, je pense. Ok, donc pour ça, c'est fait. Donc, le test d'aujourd'hui, on va tout simplement mettre d'un côté au Beauty Blender et de l'autre au pinceau. Donc, c'est un pinceau de chez NYX qu'une vendeuse m'a vendu en même temps que l'un de leurs fonds de teint l'année dernière. Est-ce qu'on peut parler de nom des vendeuses NYX qui, bah voilà, me propose un, je lui explique mon type de peau, je dis bah voilà, à certaines places je suis très grasse, comme à d'autres ici par exemple je suis très sèche. Elle me fait oui, bah c'est ça qu'il vous faudra, ok. Elle me fait tester, je lui dis écoutez, hein, j'ai l'impression qu'il est un peu orange. Elle me dit non, c'est à cause de la lumière d'ici, ok. Elle me le fait lui acheter, etc. avec le pinceau qui va avec, je le prends plus de 85€ à l'époque. Et je me dis waouh, il y a intérêt que ça marche, et je sors dehors. Mon copain me regarde, mais d'une façon, j'étais un peu en mode,
passe. Et là, il me dit, mais écoute, t'es horrible, quoi. T'es orange, à certaines places, encore plus orange qu'à d'autres. Et à certaines places, par exemple, ici ou autre, je pelais, le maquillage pelait. C'était une catastrophe. Donc, bah, plus jamais, quoi. Clairement, voilà, quoi. Bon, arrêtons de discuter et passons à l'application du fond de teint. J'ai presque plus de batterie tout à l'heure, il y a encore la batterie, là il y en a presque plus, je suis un peu. Bon, ce côté-ci sera à l'éponge et celui-ci au pinceau. Je vais juste modifier légèrement mon BTBN de vie. Ok, go. La paupière comme d'habitude. Avant, comme d'habitude, j'ai hydraté ma peau et mon contour des yeux, hein, comme d'hab. Voilà. Et maintenant, on va prendre le pinceau aussi. Attention, mon chat! T'es en plein dans le miroir, je vois rien. Par contre, ça a vraiment aspiré le produit, c'est pas ouf quoi. Bon, même au pinceau, le rendu est très joli. Oh, je trouve qu'il manque un peu de couvrance ici, donc je vais remettre un petit peu. Sinon le front c'est nickel, mais c'est vraiment là que et de deux côtés. C'est la partie la plus catastrophique chez moi, donc voilà. Voilà, notre teint est fait, donc Beauty Blender pinceau. Et donc là, je vais faire comme d'habitude, hein, mettre l'anti-cerne, etc. comme je le ferai habituellement. Ouais. Par contre, pour l'anti-cerne, c'est la couleur qu'il me faut, mais elle est trop blanche, je sais pas trop quoi en fait. Il faudrait vraiment que j'achète celle pour ton jaune, parce que je pense que vous voyez quand même à la caméra, ça fait beaucoup trop blanc sur moi. Il me faut la même teinte, enfin, aussi claire, mais pour ton jaune, parce que sinon on voit directement que le ton est pas ouf, et donc ça me grisade, je trouve. Enfin bon. Pour la poudre, j'ai trouvé une petite solution. J'ai pris un ancien truc de bougie que j'ai totalement nettoyé et je vais mettre là-dedans pour avoir plus facile à prendre la poudre. Donc j'ai mis un peu de poudre. Et pour les yeux, j'ai été chercher mon petit pinceau qui vient de chez Makeup Revolution. C'est un que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Elle est quand même finie vachement jaune. Hein. Donc je pense que ce n'est pas des sous-tons de bois. Pas ouf. Donc maintenant je vais prendre mon gros pinceau Fluffy. Attendez, lequel je vais prendre. Ouais, celui-là est plus Fluffy, je trouve.
Ma peau va pas très bien en ce moment, donc je vous avoue que sur moi en ce moment le rendu est pas ouf. Parce que ma peau a tendance à sécher vraiment vraiment avec tous les produits que j'ai. Il y a vraiment tous, hein, il y a rien de fait exception. Voilà, le teint est fait, donc je vais vous montrer plus près ce que ça donne du côté de Beauty Blender et Passo. Ensuite, je vais faire tout ce que j'ai à faire, donc je vais faire ma séance de sport, etc. J'ai pas mal de boulot cet après-midi. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de changement normalement. Mais je vais vous montrer de plus près ce que ça fait et on se retrouvera plus tard. Voilà mes chats, donc de plus près ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer. Donc en fait, je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence, hein. Vraiment c'est vraiment kiff kiff, je trouve. Ça c'est pas de gros effet matière sur la peau, sur le front c'est hyper joli. Par contre là ça a l'air de tenir, là aussi. Donc on verra bien. En attendant, moi je vous laisse, je vais peut-être faire mes yeux quand même parce que sinon je ressemble à un mort vivant, mais hors caméra. Et je vous retrouve ce soir pour faire un peu le bilan. J'espérais avant qu'il fasse nuit parce que la dernière fois c'était très jaune l'image vu qu'il faisait nuit. Donc on verra bien. En tout cas, moi je vous dis à tout à l'heure. J'espère en tout cas que ce petit crash test vous plaît. Et à tout de suite pour vous. Salut, je viens vous faire un petit récap. Il est 17h maintenant. Donc on va parler un peu de ce que ça donne. Donc je viens de regarder rapidement dans mon miroir. Mais je vais quand même vérifier. Maintenant je suis bien en face de la lumière. Bah écoutez. Surprise, ça n'a pas filé. Je pense que vous pouvez le voir. Je pense que oui. Ça n'a pas filé. Donc à côté, là non plus. Ça n'a pas beaucoup marqué mes zones de stress. La seule chose, et là je suis un peu en mode what the fuck, c'est que ça a légèrement filé ici au niveau. Voilà, là au niveau de mon anti-cerne. Je pense que la poudre est pas super bien pour l'anti-cerne. Par contre, pour le reste du visage, waouh. Est-ce que je vois une différence entre le pinceau et le Beauty Blender? Eh bien, en fait, j'ai l'impression que du côté du pinceau, c'est davantage rentré dans mes pores, donc on les voit moins, en fait. Réellement, je suis plutôt surprise. Par contre, il faut vraiment que j'achète un anti-cerne en tas de jaune, parce que là, ça fait gris en fait, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à réchauffer mon teint avec un bronzer, je sais pas comment, j'ai pas ça. Donc voilà. Ah oui, en fait j'ai fait ce make-up totalement hors caméra. Donc je sais pas si vous aimez. Je sais pas si vous voyez surtout. Ah si, vous voyez. J'aime beaucoup. Un make-up très simple. Mais voilà. Et faut savoir que là... depuis cette vidéo, j'ai dîné, j'ai fait mon sport et j'ai bossé sur du montage et sur des articles, donc j'ai pas chômé. Donc là, je vais terminer la journée. Là, je vais aller faire une petite pause au YouTube parce que ça fait 3 jours que j'ai pas regardé une vidéo YouTube et ça manque. Parce que je suis avant tout une grande passionnée de YouTube et j'adore regarder des vidéos YouTube, ça m'inspire à mort dans la vie de tous les jours. Donc là, je vais y retourner. Et après, bah écoutez, je vais faire le souper, on va souper. Et avant d'aller démaquiller, eh bien, je vous ferai le dernier petit retour. Là, on a de la chance, il y a un peu de clarté. Tout à l'heure, c'était pas trop ça, maintenant on a un peu de clarté. Donc, on verra bien. À tout à l'heure. Salut mes chats, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc, il est 19h10. Là, je vais partir bientôt pour streamer. Donc, j'ai arrêté la vidéo ici. Je vais pas vous reprendre à 23h, ça ne servira strictement à rien. Donc, on va faire le bilan. Donc... waouh, des deux côtés ça a tenu toute la journée, mon front est incroyable, même ici. Pourtant je me suis mouchée 2 fois et ça n'a pas bougé. Là ça a légèrement bougé là en dessous, mais c'est parce que j'ai dû faire un gommage de mes lèvres parce que c'était mes défoncés. Là ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Mon anti-cerne n'a pas plus bougé que ça, alors que il est pareil que tout à l'heure finalement. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. Je regarde un peu dans le retour, mais franchement, ouais, il est super joli. Et il n'y a pas de différence nette entre
pinceau et Beauty Blender, la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'on voit beaucoup moins mes pores, parce que vraiment la matière avec le pinceau est vraiment rentrée dans mes pores. Donc c'est génial, on va pas se plaindre. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour, on a fait les tests qu'il fallait faire. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. Si tu veux t'abonner, c'est juste là. Si tu veux voir ma dernière vidéo, c'est juste là. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel article sur le blog ou pour une nouvelle vidéo. La bise!